5 morts et au moins 22 personnes affectées. C'est le bilan d'une possible intoxication alimentaire dans une maison de retraite. Elle a eu lieu à Lerme dimanche soir, à une trentaine de kilomètres de Toulouse, dans le sud de la France. Selon plusieurs sources, le problème serait survenu avec des repas mixés distribués aux résidents en fin de vie. Une enquête a été ouverte par le parquet de Toulouse et des investigations sont en cours pour déterminer l'origine de l'intoxication alimentaire présumée. L'Agence régionale de santé a conservé des repas témoins pour procéder à des analyses. La principale association de directeurs d'EHPAD a fait savoir dans un communiqué que s'il y a bien eu intoxication alimentaire, ce genre d'accident reste extrêmement rare.